Vous savez, il faut d'abord aller à la racine de cette histoire. C'est Macky Sall qui veut une assemblée comme ça. Il a tout fait pour éliminer des acteurs et aujourd'hui, voilà ce que Macky Sall souhaite au Sénégal. Une assemblée de la honte, si je peux m'exprimer ainsi. Une assemblée où l'insulte prend le dessus sur les idées. Ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est une honte, mais le seul et unique responsable, c'est Macky Sall. Voilà ce que Macky veut pour notre pays. C'est des institutions, excusez du terme, crétinisées. C'est des institutions, à la limite, des institutions torchons, malheureusement, pour nous. Mais ce qui est clair, c'est que nous allons nous battre pour rectifier tout ce qu'il est en train de détruire, parce que les Sénégalais sont aujourd'hui prêts à déboulonner Macky Sall, quelles que soient ses ambitions, quel que soit son projet en 2024. Il y a une assemblée Gatché, mais Gatché, Macky Sall, c'est ce qu'il y a au Sénégal. Parce que Macky Sall, ce qu'il y a dans l'assemblée, Macky Sall, c'est ce qu'il veut. Parce que ñi fa waron nek nekuñu fa ay ndad buñu génné doon pé kon mom moko jëf lolu nak moy li Macky Sall yéne Sénégal li ci dess nak moy sénégalais yi ñom jottu nañu ni soccant xam nañu né li le Macky Sall yéne réewmi da nañu taxaw jakarlok mom ba bép projet bo xamné amna ko ci 2024 lu moy dul génn dem yonam ñu jëflanté ko ak mom comme dafa bëgg toroxal réewmi mom bu insister inshallah danan ko fek famu nek toroxal ko.